c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Salut à tous. Alors, nous voilà de retour. Vous nous attendiez au tournant, je vais faire la vengeance par rapport au maquillage qu'il m'avait fait la dernière fois. Je vais me venger. Et là, comme vous pouvez reconnaître le décor qui bouge, nous sommes sur le bateau. Ouais. Et on a fait un petit pari, le premier qui vomit a perdu. Parce que là, ça bouge un peu. Donc voilà, il est minuit et des brouettes. Et comme on ne sait pas quoi faire, ben on va faire ça. Voilà. Donc je vais placer la caméra de façon à ce que vous puissiez observer mon travail d'artiste. Et sur son visage d'ange, qui n'est pas rasé juste pour l'occasion. Ouais. Et voilà. Pour faire comme la celle qui a gagné l'Eurovision, Conchita. Ah, c'est ça, non. Conchita est là, c'est que t'en es pas loin. Allez, tu es prêt mon fils? À tout de suite. Bon, alors vous me voyez ou vous me voyez pas? Je sais pas. Oui. Bon alors par contre, j'ai pas tout sous la main puisque nous sommes en voyage, hein. Je n'ai pas tout pris. Je sais pas si je vais lui sortir le grand jeu ou pas. Ah oui. Sors-moi le grand jeu. Alors, je vais commencer avec ça. Tu l'avais sur le nez. Regarde-moi. Regarde-moi, n'aie pas peur. Je te ferai rien, ou presque. Je pleure déjà. Je vais tout... je vais user tout avec la surface nasale. Alors avec la barbe, c'est un petit peu plus compliqué que sans, hein. Mais bon, comme il n'a pas beaucoup d'imperfections, on n'a pas besoin de trop masquer. Pourquoi tu rigoles? Tu l'entends dans ta voix quand tu dis des bêtises. Alors pas tout de suite. C'est après, quand tu devras aller te promener dans le bateau, que tu pourras pleurer. C'est un défi? Oui, mais tu vas tout seul, hein, moi je te suis pas. Déjà que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est la dame de je sais pas quoi. » Ah, pas sûr. Bon, ensuite, on va poudrer le tout. Hein, ouais. Histoire de fixer un petit peu. Pourquoi je prends un accent? On va y aller doucement, hein, quand même. On prend que ça coûte. C'est ça. Comment réagit la poudre sur la barbe? Écoute, pour l'instant, ça fait un rendu assez naturel. On va le bronzer un peu, hein, cet homme-là. Cette omelette, parce que tu es un peu pâlo, hein. C'est pâlo, madame Champier. Champier. Oh putain, ça bouge. Je sais pas si vous voyez les secousses du bateau, là. Mais enfin, nous, on les sent bien, hein, quand même. Voilà. Ensuite, nous allons faire un léger contouring. Je suis pas très en face. Alors par contre, avec la barbe, c'est pas très très... Je sais pas si ça se voit. Je sais pas. En fait, c'est pas la peine, hein. Ah oui, tiens, on va affiner un petit peu. Voilà, on voit pas trop. On veut dire qu'en plus là, on n'a pas une super lumière. Super lumière. Il faut avoir le cœur bien accroché, moi je vous le dis, messieurs dames. Un petit peu de blush pour rehausser ces jolies pommettes, mademoiselle. Je crois que je vais prendre le médicament là. Non, c'est vrai. Ah, le chocolat chaud là. Il était de trop. Ouais. Les petites ombres à paupières de chez Kiko. Petites ombres à paupières. Qui valent 11 euros pièce. Tu te rends compte ce que je gaspille pour toi? Eh ben ça brille ça. Ouais, tu vas être belle, va, t'inquiète pas. Ferme les yeux.
Il y a toujours le nez qui gêne hein, d'un côté. C'est comme le bras, vous savez quand on dort là, il y a un bras qu'on aimerait bien enlever. Je sais pas pourquoi on pourrait pas l'enlever. C'est comme le nez, quand on veut maquiller l'autre côté, c'est toujours gênant. Vous voyez là, c'est pas très très pratique. Ça ne favorise pas une application. Quoi? ouvre. Le problème c'est que... Ça me fait chialer, je sais. Mais non, c'est pas grave. C'est tout dans... tout est dans la tête. Ça chatouille. Il est docile hein, quand même. Ouais. Voilà un petit peu de Jasper Green en, en coin interne. À 11 euros le pot. Quoi? À 11 euros le pot. À 11 euros le pot, ouais. Tu peux ouvrir le... Pas peur. Tu risques rien, juste de perdre l'œil, c'est tout. Mais j'en ai eu deux. Hein. Quoi? Attends, tout le secret réside dans l'estompage, mais pour l'instant je n'ai pas estompé. Laisse tomber! Laisse tomber! Mais quoi? Arrête de bouger! C'est pas moi, c'est le bateau. Finalement, je suis un peu plus docile que quoi que non. Moi, je me suis pris un bon fou rire la dernière fois. Ça chatouille. Oh, t'es une vraie fillette, hein. Regarde en face. Ah, je pleure des yeux. Ah, tu me pleures d'où d'habitude? Le matin, ça 500 000 que j'utilise pour lire. Allez, courage. Tu arrives à rester sans bouger comme ça? Attends, c'est le bateau qui arrive pas à rester sans bouger en fait. Un petit red seal avec la couleur Black Heart. Jonathan Hart. Oh. Ah, t'es pas allé sur le trottoir directement après. Non, regarde en bas. Regarde les nichons. Il y a rien. C'est vrai. C'est exact. Je confirme. Je peux pas avoir tout. Hein. Moi, c'est les fesses. Ça te va bien, ma bichette. S'il te plaît. Regarde en face. Regarde-moi, je veux dire. Je suis pas une femme, je suis un travesti, travesti de vos cœurs, travesti de vos âmes. Comment tu te pelles? Travesti de vos jours, travesti de vos nuits, travesti de vos amours, travesti de vos filles. Bon. Ensuite, nous allons finir le massacre avec... On va fondre un petit peu tout ça avec un phare plus clair qui s'appelle Dust. Ah, celui-là, il est un peu poudreux par contre. Hein. Comme son nom l'indique. Hein, son nom, c'est poussière. Poussière, poussière. Ah non, c'est la lumière. Quand même un petit peu fondre un petit peu le tout quoi pour que ça fasse un peu plus naturel. Oh putain, morse de trave que tu es. Attends fort, il est gentil quand même hein. Je pense que pour les yeux ça va aller. C'est quoi? Non, je pourrais pas. Tu peux pas? Non, j'ai pas besoin, j'ai des cils super longs naturellement. Oui, mais ça suffit pas. Bon, on va faire sans vraiment parce que c'est... Ça, c'est les voisins qui rentrent bourrés. Hein. C'est rien, faut pas faire attention. Alors, un petit
Rêve pas, cocotte. Un petit contour des lèvres. Ah, voilà. Contrairement à sa vidéo où je la maquille, moi j'ai des lèvres. Mais elles sont un peu poilues. Elle est poilue des lèvres. Par contre, le bateau il bouge, hein, alors je sais pas si ça va être très droit. Oh purée. Alors je sais pas vraiment si on se rend compte sur la vidéo, mais ça bouge vraiment. Alors si je fais des erreurs là, c'est la faute du bateau. Attends, les gens ils rentrent. Chut. Ah mais s'il frappe, tu ouvres pas. Non, c'est toi qui vas ouvrir. Faudrait pas qu'il y ait un exercice de sécurité maintenant, quoi. Vous êtes tous à me le sortir. Non, je reste là. Je vais pas lui mettre longue tenue, je suis sympa quand même, parce que si après ça part plus, moi j'ai honte. Hein. Mais alors, t'entends le vent et tout? T'entends? Oui. C'est le vent, ça? Oui. Non, c'est pas les voisins qui utilisent de sèche-cheveux. Ça a fini glossy en plus. Vas-y, pomme. Oh, malheur. Alors, le trait n'est pas très très droit. Le contour, il est un peu foiré à cause du bâton. qu'est-ce que je... Salut à tous. Elle est pas plus belle comme ça. Mais je crois qu'on va arrêter là le massacre. Hein. Je vais aller vomir et je reviens. Bon, et les sourcils, on va laisser tomber aussi. Hein, parce qu'il est quand même pas trop mal fourni comme garçon. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Folle comme un homme. Attends, reste là. Voilà, alors mon œuvre d'art est terminée. Sur ce, je crois que je vais aller prendre le médicament pour le mal de mer parce que là, ça va pas du tout. Et voilà, hein, donc là, super. Ah, franchement, ça bouge vraiment, ouais. Quoi. Là, ça bouge. Donc, soit on va aller se coucher, soit, je sais pas, belle eau, elle tremble. Ouais, bon. Oh non, là, ça bouge vraiment. Donc voilà, et là, ça bougeait un peu. Donc, si c'est pas tout à fait droit et que j'ai pas continué plus longtemps, c'est que là, il faut vraiment qu'on s'arrête. Ouais. Voilà, donc bah, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez d'autres tags à nous suggérer, bah, faites-le, on n'acceptera pas tout, hein, le Jelly Belly Nasty, enfin Nasty Jelly Belly, non. Je sais pas quoi. Ça, non, parce que voilà, c'est et fini. Si on l'avait fait aujourd'hui, ça aurait été encore mieux, non, tu vois. Non, on ne veut pas faire tout, on veut pas faire de la truc dégueulasse qu'ils font jamais. On fait ce qu'on veut, d'abord. Voilà, donc voilà, donc j'étais en train de dire que on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme dirait Valérie... Au revoir.